بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. غنديرو اون بتيت فورماسيون في اوتوكاد. اون فا كومونسي ديريكتومون سا فا اتر اون فورماسيون براتيك ديريكت. دونك جو كونساي توت بيرسون لي مازال ما كيعرفش اوتوكاد مزيان انه تو سامبلومون يحط لا سوري قدام اون ايكون ويبليه يتسنى يبليه ليد ديال هاد ليكون. Donc, maintenant, quand tu crées des lignes droites, ça va être des lignes horizontales, verticales ou inclinées, lesquelles. La commande ligne permet de créer une série de segments de lignes continues, contiguës plutôt. Donc, les lignes que nous avons fait, nous avons fait le GRA, moi, je suis en train de faire des lignes, je suis en train de faire. Donc, à chaque fois, tu as la souris que nous avons fait l'icône qui a fait le GRA. Donc, je ne vais pas passer par là. Je vais faire un plan où on dirait une présentation de Charles. Donc, on va faire le plan d'une petite maison, par exemple, avec garage, chose ni même pas vraiment. D'accord, je vais faire un rectangle. Un rectangle. Mahulia. On a qu'un rectangle clavier de Zef. Donc, je vais essayer d'aller les icônes. D'accord. Quand est le premier point? La première des choses, il faut voir la barre, la barre de commande. Je ne peux pas AutoCAD à chaque fois, parce que AutoCAD c'est un logiciel qui il communique avec toi. Donc, quand tu as l'icône, tu cliques là, qui est spécifié premier coin. Donc, là, tel premier coin, ou n'importe quel sens libre. Donc, mais il faut faire attention que là, par exemple, si je pointe la souris, fait ça, on dit le X. 199, le Y est moins 68, parce que Mchitana a battu le tête. Et la tâche fois, quand vous l'avez dit, 211, 123. Donc, en fonction de la direction fine radique, il attaque le moins ou le plus. D'accord. Donc, là, Mchitana, par exemple, là, on dit, maintenant, 12 mètres, on va prendre d'abord, en centimètres, après, c'est à vous de voir, ou là, on dit, en millimètres, là, 12 000. Donc, 12 mètres sur 8 mètres. Donc, on a un millimètre d'avant. Et je valide. Donc, l'écran d'Eli, zoom étendu. Zoom étendu, c'est double clic sur la roulette de la souris. Après, je veux avoir un mur. Je fais décaler. D'accord. Décaler, finalement. Donc, décaler de 300, par exemple. Le mur extérieur, vous pouvez confier 300. OK. Après, alors, Dingoul, je veux avoir de la partie à dire ma dakhlach par exemple, ou ce mon machi khajat al barra, on dakhla. Donc, je prends une ligne menana par exemple, je la déplace, wahed 3500 par exemple. D'accord. Je suis d'accord. Je vais prendre une autre ligne menana, on cubia par exemple, 3000. Donc je fais déplacer, j'appuie sur D, j'écris D et je valide. Donc sélectionner le dernier. Le dernier MCBN par exemple, pour 1500. Donc Mitrofumskin par exemple. Et je fais décaler l'objet et miroir. Donc miroir, mais le milieu. Donc milieu, pour activer le milieu, il faut activer là. Puis là, la partie dit par exemple. Là, plutôt là, dit bouton droit ou là en cliquant dessus faire la partie là, dit on cherche milieu, d'accord, c'est bon, milieu on dit activé. Donc dans la commande miroir, sélectionner la ligne là, dit on met le milieu de la ligne là, dit on dit miroir, je valide, pardon, d'accord. Donc maintenant on va faire un décalé de la même façon, 300 a déjà dit, donc je valide, entrée. Et je décale. LGA, je décale LGA. D'accord. Donc d'abord, on dirait prolonger ou on dirait ajuster. D'accord. Prolonger. Des lignes. Des lignes, je sélectionne. Aide la ligne à ligne. On sélectionne les juges. On sélectionne. Validez. Aide le menu qui revient à chaque fois. Il a qu'un barstin. Donc j'appuie sur option. Comme chez le préférence utilisateur. Signification bouton droit.
on dit activer le bouton droit. Moi, il fonctionne avec des vitesses variées. Donc, voilà, je fais, quand j'appuie sur le bouton droit, et atteindre, répéter la dernière commande directement. Appliquer. OK. OK. Donc, quand j'appuie sur le bouton droit directement, j'ai la dernière commande et option. Quand j'appuie pendant quelques secondes, donc, j'ai le menu contextuel. Donc, après, j'ai le ça. D'accord. Maintenant, on va faire prolonger Altani. Je sélectionne la date, je valide. Et après, je vais faire ajuster. Donc, ajuster et y aller. Je sélectionne le tout. Et je vais faire tout ça en un seul mouvement. Donc, un chien des trajets. Donc, trajet, je sélectionne le point maintenant. Et je valide. Donc, j'ai ajusté gars, tout ce qui est à l'intérieur maintenant. D'accord. Maintenant, je veux par exemple faire les cloisons de l'intérieur. Donc, quand il y a une affaire de la partie ali, je vais faire une cloison de 150, par exemple. Donc, je prends une ligne, je la dessine telle une perpendiculaire. Donc, perpendiculaire, un petit là de basse ali, cliquez là, on dit perpendiculaire. Donc, fais un petit là, elle est perpendiculaire. D'accord. Je la décale de 150. Ça va être la cloison des lignes de garage par exemple. Donc je dessine une autre ligne maintenant. Maintenant. Je la déplace par exemple de 100. Et je lui fais, ou là, plus que 100. Hein. Disons, il y a 200. Et je vais faire miroir. Miroir, qui est réalisé par rapport au milieu de l'indien. Je dis en symétrie. D'accord. Après, donc, Ranzi, par exemple, je veux avoir plus d'espace, là, par exemple. Donc, Ranzi, étirer. Étirer, finir. Il dit, je sélectionne la camel. On étirer de 500, ouais, 1 000 mètres, d'accord. Donc, Ranzi, par exemple, pourrait dire les châssis. Ranzi, par exemple, dire un châssis, non. Je vais agrandir même la maison des caméras. Je vais étirer à Daoutani. Je valide avec le bouton droit de la souris pour avoir la dernière commande. Donc je vais ajouter 1 500 là, par exemple. Donc je vais diviser le. Je vais faire un cloisonnement dit intérieur. Par exemple, maintenant, Telena. Je déplace à de la dernière lumière sainte. Je vais la déplacer par exemple de Changoulon. 2000. D'accord. 2000. Deuxième. Donc on dirait un couloir en air. J'ai copié la ligne d'Eri. Copier. De 1000. Par calique. D'accord. Et je valide. Donc un a des ouvertures. Après, je vais mettre un châssis à la partie Eri. Que je vais mettre maintenant, donc le châssis d'Eli répond par rapport à la Tretana, on va écouter le bidet de l'eau, à terme de 600. Je vais faire un châssis qui fait 1 200. D'accord. Alors, le châssis d'Eli l'eau. Je vais ajouter un autre châssis, copier. Donc, on a 1 200, on dirait 1 800. La plus, disons, déplacer. Dirons de 400, disons. Mais le châssis en a même suffi 1 200 et qu'on ferait 600. Donc, on va dire que on a une toilette, par exemple. Ou on a une cuisine. Donc, je peux agrandir mes adouches. C'est à 35 centimes. Et je vais dessiner, je vais décaler la ligne Adi. La ligne Adi. Je vais ou bien faire décaler ou bien faire copier. Donc en intérieur, par exemple, 2 200. D'accord. Je vais ajuster Adi. J'appuie sur la commande, je valide et je sélectionne l'objet à ajuster directement. Sinon, j'appuie sur le bouton, je sélectionne la première ligne, elle va ajuster par rapport à elle, à cette ligne, maintenant la ligne là. Je valide
et je sélectionne la ligne à ajuster. D'accord. Donc d'abord, on va décaler de... décaler de 80, par exemple, une petite cloison de 80. On vide une autre cloison en fin de la partie ID directement. Donc, on me chie au B1. Sinon, je copie ou là, je décale. Je décale à de la ligne ID. Maintenant, c'est l'angle de 4 mètres. 4000. Je décale à l'autre la même distance. ID. Je fais ajuster. Donc, je vais ajuster non. Ajuster non. Je vais ajouter une porte là, ce qu'on fait de droite à l'île, par exemple. D'accord. Donc on va ajouter une porte. Je la déplace de 80 et je la décale de 1200. Je change ma tête. Et là maintenant, ma tête se lève. Donc on va étirer le chi. Donc on va faire étirer. Je sélectionne le chi camel. J'appuie sur le bouton Shift derrière le clavier où je sélectionne la ligne ID. Donc c'est pour étirer l'adrénaline. Je vais l'étirer de 500. D'accord. Donc maintenant on déroule maintenant la porte d'entrée qui va être comme ça. Donc un DNA 1200, donc 1200. Non. Je fais un arc, le centre d'Hello Weda, le premier point de départ Weda, plutôt centre, dans l'extrémité non. Premier point Weda, deuxième point Weda. On apporte la porte d'Eli par exemple. Donc, on va dire la même chose pour les châssis Insaurum. On me dit là, je sélectionne la ligne ID, le milieu, où j'ai pas obtenu celle-là. Après, je sélectionne la donne, puis la du. Donc, et je fais un petit cercle. Un petit cercle, oh, pardon. Comme ça, juste je valide, j'efface le cercle d'Yali avec le bouton effacer. Après, je fais un petit arc. Arc, centre d'Yali ou Weda, il me fait le manager Yali, il me fait le manager Yali. Pardon, je fais un petit arc, centre, maintenant, d'accord. Donc, je peux mettre échelle par exemple, échelle de la droite par rapport à le point ADA, spécifier point de base ou ADA, je vais faire une référence, le point de base des lignes d'argent, on met le point ADA, un petit bétail. Donc, je suis directement ma ADIC. Je vais faire miroir d'avant, il abrite, je peux mettre miroir directement, je déplace à obtenir l'objet des lignes d'ADA, l'extrémité, l'extrémité. Mais je peux avoir, par exemple, un Sarah parce qu'on dit qu'il est là-haut, on dit le point de base, ou là-haut, apparemment, enfin, point de base, référence, on a le point de base, puis maintenant, j'étais là par exemple. Même chose, on dit l'ID, on sélectionne l'ID, je donne le point de base et je valide. Donc, il a pris l'échelle, la tête, le premier objet. Directement. J'espère que ce qu'on nous fait, si ou sinon, il faut revoir la vidéo. On a mis mouchkil. D'accord, je vais mettre par exemple une porte 1, une petite porte 1. Déplacer. Par exemple, 80 centimes. 80 centimes. Je copie là de 800. Une petite porte de 800. Je vais faire une ligne. Derrière, maintenant, c'est là. 800. Un arc, break A ou valider, on va tenter C et rentre. Maintenant, on filme le point A, c'est le point là, il peut être un châssis ouvrant, soufflé. Donc, on va dessiner le petit châssis là-dedans. Donc, on déroule là-dedans. Là-dedans. Glou comme étant un soufflet par exemple. Donc la même chose. On va dessiner
une chambre, là, par exemple. Si l'autre la chambre fait le bafali, ce qu'on va dire maintenant, c'est le nom. Moi, ma disposition des lettres, je vais te dire où j'allais. La fin de la partie, elle dit, l'essentiel, c'est d'apprendre ce que je suis en train de faire comme commande. Donc, si je fais décaler la même distance lundi, lundi de l'inado, à dire ce n'est décalé à dire j, je peux faire autre chose. D'accord, en décalé à dire ben, la distance, ok, maintenant, à dire maintenant, ou à dire maintenant par exemple. Maintenant, derrière ce n'est des chanfreins. Chanfreins ou aidant, quand ça t'est écart, on a t'es zéro. D'accord. Ben, si je m'allie à aider de l'inado. Alors pour éviter de faire ça, je supprime ça, je travaille avec les polylignes. Je me donne par exemple, c'est la boîte à la vie. Voilà, j'ai ma division, ou je suis la division. D'accord. On va faire une ligne décalée, de 80, je sélectionne, je joue en même temps. C'est ce qui est bien fait les polylignes. D'accord, maintenant on va descendre le dark là par exemple, mais on va aller directement à la partie des présentations. Présentation, FIA, quand on a la fenêtre ready, que je peux supprimer ou la modifier maintenant, monsieur Mouchke. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut préparer la présentation dans le format LibreOffice. Donc, ou bien, monsieur Lena, on va dire configurer. Non, gestionnaire de mise en page, modifier, on va mettre là, on va lire en fait l'imprimante PDF Creator, on va mettre format A3 par exemple, on va mettre ce qu'on le paysage. Donc l'échelle A1, l'échelle de la présentation, mais si il y a de la fenêtre ou la étendue, on va ce qu'on la présentation A1 ou A00, on va dire mouchelé. Je fais OK et je ferme. Donc la présentation d'Eli ou la serveur. هاد الفينتر نقد كبرها ونصغرها كيف بغيت دونك نحيدو اوتو هنايا هي هادي اي جو بو موديفيي لا فينتر ديالي كيف بغيت دونك كوم فو فوايي هنا عندنا واحد لو كابرياج هاد لا لين هادي مسحوها دونك كاين لا لين لا والو داكور كاين عندنا كابرياج كابرياج بغيت تحيدو كتبرك على هادي ديريكتومون ولا كتبرك على البوطون F7 دونك هنا لا فينتر ديالي هي هادي On a atteint à l'échelle de notre partie. Maintenant, on a atteint l'échelle 1 sur 20, par exemple. Donc, on a atteint 1 sur 40. Plus ou moins. Mais c'est pas très intéressant. 1 sur 50, c'est beaucoup mieux. D'accord, on a atteint là. D'abord, on a mis un endroit là, les cotations. Donc, la présentation d'Eli a dit, je peux modifier la présentation d'une autre façon, déjà. On dirait un cartouche fait de la partie Eli. Le cartouche d'Eli, comment je vais le dessiner? C'est avec un rectangle. Un rectangle avec une shed dans le bloc Eli. Par exemple, c'est dans le bloc Eli. Je vais décomposer le rectangle d'Eli. Parce que c'est une polyline. En sélectionnant Eli, c'est une polyline. Je vais le décomposer. Donc, à ou là, chaque ligne pour ça. D'accord, je décale. Et il faut faire très attention parce que le format A3, la barre des roues, moi-même, à fin, mais fais-moi là le texte, la hauteur du texte, la hauteur des cellules, que la haja boit ça. D'accord, je décale de 8 cm par exemple, mais maintenant, 8 cm c'est trop, plutôt 8, je vais décaler de. Attends, je vais dans le bien, la mise en page des noms, je suis un nom là-dedans. En millimètre, c'est bon, d'accord. Je décale maintenant celle-là, donc en club, on a chaque millimètre. Le texte, la taille du texte minimale, les plans normalement, ou la flécatouche, c'est 2,5 mm. Parce que 2,5 c'est lisible par tout le monde, 3 mm c'est encore mieux, mais si vous voulez mettre une hauteur de texte, je suis mouchki. Donc, on va coller la S sur le clavier et on valide. Bon, sinon, je sélectionne directement. Style. Je vais mettre un nouveau style. Mon style de texte, le style 1. Double-clic dessus.
définir un courant. D'accord? Et après, je vais sélectionner un bas Arial, la hauteur de texte, on dirait 3 mm par exemple, et je veux qu'il soit annotatif. Et je fais appliquer. Fermer. Un Jinx bas texte là par exemple. On voit ça dit. N'importe quoi, clique sur ça. Parce que quand j'ai mesuré la distance, il a dit, mesurer. La distance, celle-là, non. C'est 3 mm. Moi, 2,98, c'est 3 mm. Donc, à dire, l'auteur de texte d'Iril, tout le temps. Tout le temps. بغيت تكبر بغيت تصغر من بعد تشوف لي بغيتي غنمشيو عاوتاني لو سيل دو كوت دونك انوتي جابوي سور سو بوتون هاد لا فليش هادي دونك جو كري ان نوفو سيل دو كوت باغ اكزومبل ستيل 1 ستيل 1 كونتينيو دونك لو ستيل 1 ديال لي غندير فيه مثلا انا دو كالك دو كالك هادو سي لي لين دو كوت هما هاد لي لين هادو اللي كيهنايا وهادي دونك سا سي لا لين لاطاش هادي لا لين دو كوت اللي كاينه هنا دونك غنديرها كولور دو كالك تيب دو لين دو كالك ليبيسور دو كالك توجور دو كالك دونك دو بلوك تم بعد نفسرها ليكم علاش كطلق داكور symbole, la taille de la flèche, n'atteindra 1,75 par exemple, ou le texte, on va sélectionner le texte style 1, il devient annotatif. Donc, moi, je ne peux pas modifier la hauteur du texte. Il y a un sheet standard, je peux modifier. Il y a un sheet style 1, je ne peux pas modifier. La couleur des roues, est-ce qu'on du calque ligne de texte, des roues alignées, il va être horizontal, jusqu'à dire horizontal. Donc, je préfère des roues alignées. Ajuster. On attend l'échelle, l'IMA 1. Ok. Donc j'ai créé un style de côte. Il y a un côté B par exemple, une partie. Qu'est-ce que ça veut dire la flèche IELI. Donc je peux aller dans le début. Ah, oh, pardon. Oui. Je me suis dit. D'accord, Léa. D'accord, début, on chie, mesurer, et je mesure la hauteur du texte d'Eli. C'est presque 3 mm, c'est bon, bien. En fait, c'est 3 mm. Je mesure la hauteur d'Eli, 0,75. Je mesure la longueur d'Eli, 1,75. D'accord. Donc, la demande la parole qui est à 9. Les cotations. D'accord, nous y allons la cote lisible, parce qu'on lisible, non, pardon. J'appuie sur efface, échappe, et j'efface ça. Donc, entre l'eau, la fenêtre d'Yana, là, on peut mettre par exemple, faire la partie, projet, le nom de le projet d'Yali, pardon. Donc, le nom du projet. Le nom du projet dit ça, je vais continuer les bonnes excuses. En bas, il a dit que j'ai le texte d'Yari. On se l'a dit, je vais y aller. D'accord. Donc, après, les informations gardées brisées. Mais ce que je peux ajouter, c'est que le nom du projet, je vais le mettre. D'une autre façon. Un chez CD insertion. Définir des attributs. Donc, elle va être visible, bien sûr, constante, vérifiée, prédéfinie, verrouillage de la position. Donc, maintenant, l'étiquette, c'est projet. Insérer ou la donner le nom du projet par exemple par défaut on peut mettre maintenant Malabata par exemple
D'accord. Justification, dès le texte derrière, à gauche, mais au centre en même temps. Centre à gauche. Milieu, gauche. Il y a dit. Le style 1, bien sûr, la hauteur sera la constante, et je fais OK. Donc, là. Voilà le nom du projet. Si je fais un double-clic, allez, il y a un de c'est pas intéressant. D'accord. Donc, on sort un bloc. On va créer un bloc. Un bloc, là, on se met au cartouche. Ouais, le cartouche, je vais lui donner un point de base. Les ouais, le point là. Je sélectionne les objets, les textes d'Yolikamine avec l'encadrement Camel. L'encadrement Khdina Kamel, mais on sélectionne de la fenêtre, mais il m'a d'accord, je valide, et je fais conversion en bloc. Et j'appuie, on a déjà ce qu'on veut y mettre, et j'appuie sur OK. On a choisi le nom de projet. Je sais pas, là, je vais oublier ici, on chauffe. Ah oui, parce qu'un 10 centimètres, d'accord. L'unité à 10 centimètres. C'est pas grave. Donc, on dit le bloc. Je donne le nom du bloc d'Yeri, cartouche. Je sélectionne le point radar, point de base. Sélectionne les objets, on met ado, plus l'encadrement Lina. Je valide. Et je fais conversion en bloc ou j'appuie sur OK directement. Katanina se met des projets. Si j'appuie un double-clic là, par exemple, qui charge l'IA, les données de la cartouche des riches, donc c'est une défaut. Donc, on a un semi de projet, un semi projet 1, OK, a été détenu. Donc, à la présentation, double-clic à le nom là-dedans, semi 01. Donc, on va ajouter autre chose, enfin, le bloc qu'il y en a. Donc, je vais le décomposer. Il faut l'enlever en arrière, là-dedans. Et là, on se met à 0, maintenant, tout le clic à l'erreur. Pour un clic, c'est là obtenu, je vais copier, et là, je pense que là, ça bloque. Là, le bloc. C'est bon, là, on crache bloc. Ok, donc, à présentation 0.1, on va dire, bouton droit, supprimer, ok. Donc, on doit les attributs, la colline. Copier, un de texte là, on dit là, et fuite, bien sûr, ou la barcade directement. On dit la désignation de l'objet, la date, par exemple, on dit quelques trucs simples. Insertion, définir un attribut. Donc, à de l'attribut là, ou là, avant ça, je vais changer, modifier le texte là. On dit propriétaire. Propriétaire du projet, on dit date d'émission, par exemple. On dit là, les attributs, définir des attributs. L'attribut, la coordonnée, ou propriétaire. D'accord. Copier. Donner le nom du propriétaire. On se met propriétaire. Ok, et je vais positionner un an. Je n'ai pas modifié le point d'insertion des lots, les OL. Donc, à la point d'insertion des lots à gauche, à la point d'insertion des lots au milieu à gauche. Donc, nous y devons un attribut. On se met par exemple date. Donc, même chose. Donner la date, on dit la date. Toujours, on fait le annotatif, parce qu'il faut voir, même le wallon, sauf la partie de la ligne. On dit par exemple milieu centre. Milieu centre, voilà. Ok. Donc milieu centre, et qu'on voit la partie de la ou la ligne milieu centre. On a la justification, en fonction de la position de le texte des mots. Comment vous allez le placer ou là, le centrer ou le joindre. D'abord, on va créer le bloc. Donc, on se met au cartouche, Macinch.
cartouche, spécifier le point de base où elle est. Je sélectionne les objets déroulés, adocaméine, avec adrénaline verticale, adrénaline focale horizontale, et je fais OK. Donc, attendez, les données, sur place, là, je fais double clic dessus. On prend la propriétaire, propriétaire 1, voilà, data projet, voilà, c'est mon projet 1, la date 02-05-2015, par exemple. Je sais pas ce que ça veut dire de la date, mais ça marche. Donc, les cotations, d'un côté ou d'un, puisque j'ai sélectionné déjà l'échelle 1 sur 50, Andy. Donc, je verrouille le dessin d'Eli pour pouvoir zoomer Filmbot. Après, je mets les cotations d'Eli. Donc, je fais annotation. J'ai déjà défini les cotes. Je fais les cotations d'Eli. Maintenant, c'est là. Il y a un petit problème quand même. Style 1. Ok. Le texte sera réservé. D'accord. Je vais vous mettre modifié 3,75 symbole 1,5 texte 3 mm décalage ajusté 1. Ah oui, annotatif 6 mètres sèche. Ok, fermé. J'efface la côte à vie. Maintenant, c'est maintenant 3,5. Tu allais faire le bouton à la continuer. Là, j'ai atteint la crème et je valide. Une bête, vous faites la même chose pour côté les autres objets. Donc je fais un double clic là-dessus, je fais un double clic, je contrôle. Donc on a votre rouge. Un dire la présentation d'Eli, il se met à 0,1. Ah, là, il se met à 0,1, ben là, c'est un point. D'abord, on va éditer le bloc, le numéro de plan. Donc B, Edit. Vite, ma page d'amour, je pense, ma page de la commande. D'accord, je vais modifier le bloc d'Iri, mais je pense que d'amour la commande B-Edit. Oui, c'est ça. J'appuie sur OK. On dit doit l'attribuer au d'accord. Non, c'est mieux. Numéro de plan. Copier. Là, là. Numéro d'un numéro de plan. Plan numéro. De points. Donc j'ai lundi un autre attribut. Insertion, définition attribut. Numéro plan. Donc un boulot que donne le numéro de plan maintenant. Numéro plan. Annotatif, là, l'étiquette ne doit pas contenir d'espace. Ça fait un plan. Ok, et je mets le numéro de plan délimé. Ça c'est très important. Donc je ferme et j'enregistre. Donc quand je fais un double clic là, numéro de plan d'Eli, non, oui. Dans le mouchkil. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre un numéro de plan d'Eli ou d'accord, numéro de plan d'Eli, on va faire partie Eli, où je vais faire bouton droit, insérer un champ. Insérer un champ, faire deux champs, là, je peux ajouter n'importe quoi. Et déjà. Donc, comme je disais, pour l'instant, les variables, les objets, je pense objets. Jeu de feuilles. Non, je suis jeu de feuilles. D'accord.
variable système. Non, c'est pas une variable système, je vais laisser une erreur toute. Ramchi. Dans les projets, objets. Variable système, oui, j'ai variable système là. Ok, on chez vous, c'est tab, c'est. Allez, c'est tab. Je fais OK. Donc, attends les 01. Je copie l'ID avec bouton gauche, j'appuie ou contrôle, quand break l'ID ou quand j'enlève l'ID. Sinon, autre méthode, on va faire déplacer ou copier. Donc, créer une copie à la fin. OK. Donc, on déroule double-clic 02. Donc, on déroule régénérer, régène. On va tailler par défaut 02. Donc, à Chile, je peux tenir comme les attributs. Donc, les attributs qui sont les plus importants, je peux ajouter même faire la partie RI. Déroule par exemple, là, ça des propriétaires, on dit un autre champ. Au lieu de mettre le nom du propriétaire, je vais mettre la date, par exemple. La date, on dira par la grille. OK. OK. Donc, à la date, là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut des cartouches et de gâteau. Quand je fais un dessin, il y a plusieurs plans. Je peux mettre le même cartouche partout. Donc, on dit plusieurs cartouches, là, par exemple. On se met à la 03. Ou un pile, là, par exemple, faire de propriétaire un bedlo. Bedloum, les feuilles gamelines. Ce n'est ou bien deux allées avec la couleur 5, etc. Voilà ça. Ou bien, qui est la commande smithagat, G-A-T-T-E, entrée. Je sélectionne là. Mes propriétaires. Propriétaire 01. Propriétaire 01, en chilena, en cas propriétaire 01, en chilena, en cas propriétaire 01. Merci beaucoup. On dit le projet de loi, de l'eau. 4. Et je vais mettre projet 001. Je valide la première fois, la deuxième fois. Donc, on a attendu trois attributs changés. Même chose là, même chose. Donc, on a déjà fait la première fois. Maintenant, on prend la bouche sur la place. C'est bon, cette fois, c'est fait. Donc, double-clic là, double-clic ferry. Si vous voulez comprendre comment faire, avec ce boîte de texte là, si vous avez changé le fichier de la sapin, par exemple, depuis qu'on a un accept 02, ou là, un boulot qui par exemple 30, ok, au bout de marge, on dirait. En fait, on dit un 02, on va dire que c'est 02. Donc, on va déjà deux fois que je vais faire la ferme. On va faire 4. Je sélectionne la vie. Ou je colle à la droite à la vie. Le texte, l'écrit sous pourcentage. À savoir, c'est table qu'on a. Valider, valider. Donc, je fais regène. Aria 02, directement. On va faire une somme en même temps. Après, pour imprimer les feuilles Cameline, je sélectionne, je fais sélectionner toutes les présentations, je fais bouton droit alterné, on dit publier les présentations sélectionnées. Il y a deux façons de les imprimer, ou bien avec le traceur nommé, quand je l'aperçu des Romilabrites, aperçu des fenêtres de Cameline, les présentations, ou bien je fais en PDF directement. Donc, n'oubliez pas de décocher Ali, parce que ça, pour moi, ça me dérange. Je préfère ouvrir ensuite mon visualisateur. Donc, et je fais publier. Donc, je fais PDF, AutoCAD PDF, General Document, charger automatiquement tous les dessins ouverts, et je fais publier. Donc, j'enregistre voir la partie, voilà, voir ça. Donc, il a publié le dessin d'Elican, la page Doula, la page Sénia, la page Celta. Donc, on a les pages. Donc j'espère qu'on fait comme chez Haja. Il a même fait ou il a même fait comme chez Haja à ça qu'on a fait. Je vais direct Saraha, essayer de voir déjà, de voir les commandes qui viennent avec Amine, essayer de tester, de comprendre, Haoud Femou, pour la Haja de Chkatlep.
Et au pire des cas, مرحبا بالكومنتير ديالكم، مرحبا بالايميل ديالكم. يلا الله يسر الامور، دمتم بخير والى اللقاء. الحمد لله رب العالمين.